Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va donc voir aujourd'hui comment dealer avec les mauvaises nouvelles. C'est important parce que beaucoup d'entre vous, vous avez, bon, bonsoir Terminator, dans votre vie vous serez appelé à faire votre première bataille dans votre tête, et beaucoup de personnes ne comprennent pas en fait ce qui se passe, la bataille. Donc on va commencer d'abord par mettre notre encens. C'est pour éloigner les mauvais esprits. Vous devez brûler l'encens dans votre... Voilà, donc je viens chasser toute mauvaise personne. Donc, comme je vous ai dit, il y a les encens pour chasser les mauvais esprits, il y a les encens pour attirer l'argent. Normalement, l'encens vient dans le sachet avec plusieurs comme ça. Donc, chaque jour, vous pouvez voler une brindille ou deux. Ok. Donc, je vous montrerai aussi, entre autres, les astuces que vous allez utiliser pour pouvoir pour éloigner de vous les mauvais esprits, les mauvaises pensées. Donc, bonsoir, bonsoir. Vous ne le savez peut-être pas, nous sommes dans une bataille constante. Et parfois, vous écoutez quelque chose de bien le matin. Donc, ceux qui demandent ce que je suis en train de manger, c'est la cannelle. Donc, la cannelle peut se mettre, tu peux mâcher comme ça au cours de la journée. En poudre, tu peux verser dans les coins de ta maison. Donc, ça, il y en a chez mes représentantes. Donc, si vous en avez, si y a, parmi vous, il y a des gens qui. Je vous donnerai les détails des représentantes bientôt. Voilà, Goldwyn dit qu'elle prend ça comme boisson. Donc tu peux mettre aussi dans l'eau. Tu peux même prendre sous forme de thé. Tu prends la poudre, tu mets dans de l'eau, tu bois. Ça, le système digestif, ça aide. Ça éloigne les mauvais esprits, ça attire l'argent. Il y en a qui font le bain avec. Il y a plusieurs recettes. Voilà. Moi, j'aime bien manger comme ça. Donc, ça pique beaucoup. Bon, comme j'expliquais. Le premier canal par lequel vous serez attaqué, ce sera au niveau de vos pensées. Tu vas tomber sur une vidéo où tu vas voir des trucs que tu es censé faire. Tu vas voir un train de vie, une façon de réparer sa vie. Et quand tu vas commencer à appliquer, tu vas voir que tu vas rencontrer beaucoup d'adversité. Supposons peut-être que tu tombes sur mon lavage au sel. Je te dis, voilà, commence à te laver avec du sel. Et là, tu te dis, waouh. Le soir, tu te laves avec le sel. Le lendemain, tu te laves avec le sel. Le jour d'après, tu te laves avec le sel. Trois clients qui partent. Tu vas aller voir ton mari. Ta voiture tombe en panne. Et quand une chose a été d'arriver, tu te dis, oui, Anneli, je me rappelle bien de toi. J'ai répondu à un de tes commentaires, oui. Quand un truc se passe de négatif, l'autre se passe de négatif, c'est pour tester ce qui va sortir de ta bouche. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas vous faire du mal sans votre consentement. Parfois, ils vous envoient les flèches pour tester, pour que toi-même, là, tu maudisses ta propre journée.
Pourquoi tu maudis ta relation? Pourquoi tu maudis ton mari? Voilà, idiot, il m'a trompé. Voilà, j'étais. Alors que la personne qui est venue le charmer là, c'était une sirène qui était envoyée seulement pour déstabiliser ton gars. Son but, c'était de le déstabiliser. Et quand il est déstabilisé, bien évidemment, ça vient sur toi. Vous devez comprendre les armes que l'ennemi va utiliser contre vous. Surtout quand vous avez une grande destinée à accomplir. Écoutez, si vous avez une grande destinée, vous serez attaqué. Vous serez attaqué. Tu ouvres peut-être un magasin. Tu fais une semaine, tu ne vois pas les clients. Bonsoir Joël. Bonsoir Lucie. Vraiment, ma tribu ne compte pas vraiment. Hein. Quand on me demande de quelle tribu. Mes attributs, si là, ça que je porte, c'est par rapport à ce que je fais. Ok? Ce n'est même pas par rapport à mon passé, d'où je viens et tout ça là. Good evening. Donc, il est important que vous puissiez comprendre que quand ces attaques vont venir, c'est pour voir si tu vas maintenir ta foi. Are you going to keep saying the same things that you saw 2 weeks ago? Are you going to keep declaring the same things that you started declaring? Or are you going to change your mind? And if you're going to change your mind, that's where you're going to be attacked. Because it's only you who can destroy your own things. Donc, c'est seulement toi qui vas détruire tes choses. Et l'ennemi va venir mettre les pensées. Parfois, tu restes comme ça, là, tu es bien. Tu es là, tu es bien. Une pensée vient là, et si ton gars a te tromper, tu vas dire, ça sort d'où? Et si, je sais pas, ta marchandise là, ça tombe dans l'eau. Et la même journée là, tu as deux personnes qui ont été dit, oh, la marchandise de ma soeur est tombée dans l'eau. Tu n'as pas de marchandise qui est en train d'arriver là, il faut faire attention. On ne sait jamais. Écoutez, dans la spiritualité, il n'y a jamais de hasard. Pourquoi on va aller dans un cargo où il y a 1000 produits, 1000 colis? Pourquoi c'est seulement ta part qui tombe dans l'eau? Parce que ton produit porte ton insigne, ça porte ton énergie. Même si ce n'est pas ton nom physique qui est sur ça, c'est ton argent qui est dans le paquet là. Donc ce n'est pas le hasard. Le fait que tu sois tombé sur quelqu'un, ou bien supposons, on cambriole l'endroit. Ou bien les coupeurs de route les coupent. Pourquoi tu les 100 colis qui étaient dans le camion là? Pourquoi c'est seulement ta part qu'on est parti, on a vu, on a pris, ou bien on a ouvert, on a pris ce qui était dedans? Pourquoi quand tu envoies les choses à l'aéroport, les gens qui prenaient les sacs qui sont sortis de l'avion, pourquoi c'est seulement ta part qu'on a vu? Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de hasard. Donc bonsoir et merci encore Annelie. Merci pour les badges, les cœurs. Je ne sais pas comment TikTok fonctionne. Tu es au Cameroun, tu as baganté, Jorel. Ok. Jaléo, j'ai une dame qui soigne le VIH. Donc, si tu es intéressé, elle fait ça traditionnellement. Et tu as dépensé, tu as payé même 350 000 comme ça. Là. C'est une de mes mamans là. Tu me contactes inbox, je vais lui donner, je te donne son contact. Donc tu dois comprendre que ce qui t'arrive, même ce qui arrive à tes enfants, ce n'est pas le hasard. Pourquoi tu crois que dans une école où il y a 500 enfants, on est venu, c'est seulement tes enfants qu'on a trouvé pour violer. C'est seulement le bulletin de ton enfant qu'on est venu, on a trouvé pour prendre. Donc vous allez comprendre que je vous ai dit le matin que vous devez prendre d'abord responsabilité de votre vie. C'est-à-dire, tu dois accepter que moi, je suis responsable de ma vie. Ce qui arrive ou ne vient, ce qui vient ou ne vient pas dans ma vie, supposons que tu cherches la maison, tu tombes sur un bailleur qui va prendre ta caution, il ne va jamais réparer la maison. Le fait que tu tombes sur ce faux bailleur, c'est toi qui as attiré. Peut-être il y a cela un an, tu disais, ah, tu as vu une femme, elle est tombée sur. Où tu as arrangé dans le spirituel, ce qui a fait que ce faux bailleur sur lequel tu es tombé maintenant là,
quand sa maison s'est libérée, l'agent immobilier là t'a amené parce que toi tu avais déjà prévu ça. Dans le cosmique, tu avais déjà prévu ça. Oui, ça c'est la loi de l'attraction. Mais le tout c'est que tu vas comprendre que la loi de l'attraction là c'est vrai. Like, this shit is real, man. This is no joke. This is fucking real. Et on visualise toujours, indirectement ou directement. Sans le savoir, on visualise. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu visualises. Que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas. Donc, je vais vous montrer une autre astuce. Merci beaucoup. Je vais vous montrer comment l'encens. En quoi ça, l'encens va chasser les mauvais esprits chez vous. L'encens va... Et quand tu allumes ton encens, tu dois le mettre toujours... Chez moi, tu peux piquer sur quelque chose comme ça. Donc, je vais allumer un autre encens pour vous. Donc, les encens sont disponibles, voilà, Yaoundé, Libreville, même à Abidjan. Tu rentres le soir, dès que tu entres à la maison, tu allumes. Si tu n'as pas le genre d'encens, si. On va arriver là-dessus, Anneli, comment faire pour rester positif? On va arriver là-dedans. Il y a les choses comme l'encens. L'encens permet de purifier ton espace. Il y en a parmi vous. Vous êtes dans un quartier où il y a des mauvaises ondes, les mauvais esprits. Il y en a parmi vous. Vous êtes marié à des gens qui ont des prédispositions. Il y a des gens qui aiment les mauvais esprits. Donc, tu vas voir ton mari va partir en ligne. Il va regarder seulement les trucs qu'on parle. On a les fausses nouvelles. Oh, tel mari a tué sa femme, il a découpé sa femme. Oh, il y a eu l'effondrement là-bas. Oh, le voleur, on l'a attrapé, on l'a tué. Oh, donc, c'est comme s'il se conditionne pour recevoir les mauvaises nouvelles. Oh, les sorciers, il est superstitieux. Ça peut être dans l'autre sens. Oh. Ça peut être aussi ta femme, pareil. Ça c'est 7-7, oui. Ça, c'est 7-7. Il y a aussi 9-9. L'encens 9-9. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes parmi vous. Vous avez ça chez vous, mais vous n'utilisez jamais. Sorel, ta mère t'a parlé de moi. Hein? Ok, me voici alors. Voyons. Oyoa. Donc, brûlez ça. Vous mettez un dans votre chambre. Vous mettez l'autre dans votre salon. Vous mettez, parfois même dans ta voiture. Hein? Dans sa chaise. C'est vrai que c'est très fin. Tu vois, quand tu brûles ça, tu te dis, mais qui sent ça? Les mauvais esprits sentent la fessie. Ils sentent. Donc quand tu brûles comme ça, là, tu piques l'endroit. Si tu veux piquer, tu peux mettre du sel dans un verre. Tu piques. Oui, justement, tu peux trouver ça dans les églises. Tu peux trouver ça dans les endroits où on vend les objets de piété. C'est ça, Anneli. Mais l'encens n'est pas pour décorer la maison. C'est pour brûler. Ne prenez pas vous déposer. Oui, j'ai ça dans mon armoire. Va prendre ça, tu brûles. Et quand tu brûles l'encens, tu dois mettre une intention dessus. Tu dois mettre une intention. Comme je brûle comme ça, je viens libérer l'atmosphère de mauvais esprit. J'ai loin tout mauvais esprit de ma maison. Voilà. Tu mets généralement, il y a les encens qui vont faire 30 minutes. J'ai un là qui est très long et gros. Ça fait une heure. L'autre là, tu mets dans le business. Ça, c'est pour chasser les mauvais esprits de ton business. Voilà. Donc, je vais aussi vous montrer. Je crois que je vous ai parlé du donne-moi tout le matin. Ça s'utilise avec le sel. Il y a les encens de 2000 lira pour 2500. Ça dépend du pays où tu es. Bon, alors pour les encens aussi, tu peux utiliser, tu peux brûler la cannelle. Tu peux aussi brûler le coup de girofle à la maison. Tu peux brûler le laurier à la maison. Donc, j'ai les représentants en France. Donc, je vais vous donner les contacts. Je vous donne les contacts, c'est mieux. Donc, le Cameroun, c'est le 237 680 71 0701. Yaoundé, 655 31 07 70. 655 31 07 70. Donc, vous me donnez juste la ville là où vous êtes. Si tu es à Abidjan, donnez-moi les villes où vous vous trouvez. Si tu es au Canada ou bien aux États-Unis, à Washington, plus 12. 02 989 83 52. Donc, si tu es à Paris, 07 53 95 56 69.
Bon, pour Dakar, tu vas commander au Cameroun et on va poster. Si tu es en Allemagne, plus 49 17 66 41 99 51 9 à la fin. Si tu es à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, elle poste partout. Plus 225 08 27 53 94. Plus 225 08 27 53 94. Donc en France, je vous ai donné Nantes. Plus 33 620 00 63 59. À Nantes, on fait aussi les lavages. Donc le premier, par exemple, on a un lavage sur place à Nantes. Donc vous pouvez vous rapprocher d'elle. Si vous n'êtes pas loin de la ville de Nantes, vous allez faire votre lavage sur place. Plus 33 620 00 63 59. Voilà. Il y a aussi un contact pour Bruxelles. Le 0466 10 40 87. 0466 10 40 87. Ça, c'est pour Bruxelles. Bonsoir, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Donc, le donne-moi tout. On a des parfums aussi. Je vous ai parlé des vertus du donne-moi tout. Le donne-moi tout, tu peux l'utiliser. Tu mets sur la langue. Tu mets quelques gouttes sur la langue. Ça active le commandement sur ta bouche. Le donne-moi tout au Cameroun, il y a le donne-moi tout de 10 000. Ça, c'est pour 15 000 parce que c'est un peu plus grand. Ok, il y a le donne-moi tout de 10 000. C'est une boîte un peu plus petite que ça. Et il y a pour 15 000. Ça, c'est 15 000. Le donne-moi tout, tu mets quelques gouttes sur ta langue quand tu fais tes déclarations le matin. Ou encore quand tu laves, tu prends ton, 3 pincées de sel. Tu mets dans, dans ton eau, 3 litres, dans 5 litres d'eau, on va dire. Tu prends dans quelques gouttes du donne-moi tout, tu mets. Tu lis donc le psaume 35 et le psaume 37. Et après ça, tu dis ce que tu désires. Que je désire, je veux ça, ça, ça. Et tu dois être spécifique avec les dates. Voilà, et les montants. Il donne aussi le parfum contre la sorcellerie. Ça, c'est très fort. Donc ça, c'est... Ça, ça s'applique. Tu mets juste un peu. Tu mets un peu sur la main. Tu mets un peu dans la main. Tu parles. En faisant ça, tu parles. Tu parles. Jessica, assois-toi 2 minutes. Si tu ne comprends pas ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas vraiment pour toi. Donc, je vais vous donner encore quelques astuces pour combattre les mauvaises pensées. Vous serez attaqué, ça c'est sûr. Et quand tu es dans la confusion, quand tu es en train de traverser le moment où je ne sais pas si est-ce que ça va réussir ou pas, dis-toi d'abord que si j'ai des attaques, c'est vrai que vous ne croyez pas que vous êtes assez important pour que les sorciers ou le diable se dérange pour vous. Mais je vous dis, vous êtes important. Il faut que tu te dises que s'il y a une attaque dans ma tête, ça veut dire que je suis à l'ombre de mon lever de soleil, de mon aurore. Je suis à l'aube de mon aurore, c'est-à-dire je suis sur le point de percer. Moi, je me dis toujours, avant le lever du jour, il y a toujours, je ne sais pas comment on peut dire, it's always darkest before the sunrise. It's always, pardon? Il y a un coffre qui veut s'ouvrir. Ok. Il veut suggérer tu vas penser qu'il y a un coffre qui veut s'ouvrir. Ok, Nala, si tu as à Mala, si tu as à Nantes, j'ai donné le numéro de Nantes, tu la contactes, elle te donne les informations. Tu dois d'abord te dire que si je suis attaqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui est en train de se préparer. Maintenant, ce qui a fait que parfois vous ayez, peut-être un homme vient, il veut t'épouser, tout va bien, oh je vais t'épouser. Un mois plus tard, il disparaît. Ou il ne veut plus. Donc il n'est vraiment plus intéressé par toi. Il vient au pays, il te voit, il part faire le toque porte, il rentre, il te dit que comme je rentre à Paris, là bébé, j'arrive, dans 2 mois, on va se marier. Dès qu'il part là, c'est fini. Il te bloque. Tu écris même. Autant, si tu as rêvé de moi, hein? Ok. Dès que tu as une bonne nouvelle qui est en train de venir, ça veut dire que dans le spirituel, tu as vraiment une opportunité. Et le truc, c'est que quand Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il va envoyer quelqu'un qui va vous dire, il va envoyer, tu vas sentir que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Tu rencontres un homme, ça se passe bien. Vous planifiez vous marier. Tu ne sais pas que quand vous avez planifié le mariage là, vous avez provoqué l'ennemi. Il y a souvent des ennemis générationnels. Peut-être qu'on a dit que dans votre famille, personne ne va jamais se marier. Du coup, c'est quelque chose qui est très profond.
Et si tu n'as pas travaillé sur tes fondations, tu vas devoir combattre. Parfois, il y en a parmi vous, vous avez même les maris de nuit. Le mari, là, dit que tu ne vas jamais te marier. Donc, comme tu as rencontré le gars, Dieu avait prévu que voilà ton mariage, comme pam. Dès que tu commences maintenant, bataille de pensée. De toutes les façons, est-ce que donc tu es sûr que l'homme là va vraiment t'épouser? C'est tout, voilà. Hein? Tu es sûr que l'homme là va vraiment t'épouser? Non. Non, 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 non. Tu commences à douter. Peut-être même la période là, une de ses ex le contacte. Et quand elle le contacte, son téléphone est dans ta main. Sandrine, c'est qui? Sandrine, c'est qui? Le voilà alors. Il commence à expliquer. Comment ça, quoi, ça, fille? Rien ne va s'obtenir sans avoir une bataille. Écoutez. Rien. Tu vas voir que dès que ta bénédiction est déclenchée et relâchée vers toi, avec la bénédiction, là, tu vas voir les problèmes qui vont te poursuivre. Tu vas dire. Et maintenant, tu vas voir que dès que tu vas voir la chose, tes propres pensées vont revenir. Tu pensais même que tu étais qui pour que le gars t'épouse. Regarde-toi. Regarde, tu aimes quoi? Petite fille comme ça, regarde, tu as grandi à ton gars. Tu crois que qui va t'aimer? Ça joue dans ta tête. Après, la pensée là dit que garde-moi le mariage là une fois. Garde le mariage. Tu es là, tu penses à arrêter le mariage. Tu ne lui dis pas, mais c'est dans ta tête. Tu as déjà accepté. Ce qui fait que c'est comme un mauvais esprit qui est sur toi maintenant, c'est en train de tourner. Et comme on dit de faire le lavage au sel, tu ne faisais pas ton lavage au sel. Chaque matin, tu te réveilles, le mauvais esprit, il tourne autour de toi. Arrête le mariage là. Tu vas voir, il va encore te choper. Tu vas voir, il n'aura pas l'argent. Tu vas voir, il y aura une pensée quelque part qui va venir pour gâter. Et comme tu n'as rien fait, un bon matin, tu te lèves. Une fausse idée vient que va checker, va chez lui, checker, toquer pour voir s'il est chez lui le matin. Tu arrives, Sandrine là, elle passait par là le soir là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est arrivée à la toquer chez lui, et puis elle avait froid, elle ne voulait pas rentrer. Elle s'est couchée dans son lit. Dans la nuit, sa main a fait un jar. Finalement, tu l'as trouvé, ils sont dans la couverture, ils sont tout nus. Tu ne sais pas que ce sont tes pensées qui ont orchestré la chose. Que c'est parce que tu as ouvert une porte déjà, il y avait déjà 2 mois, que tu n'avais pas fermé. Et quand je te lève le matin, tu fais tes déclarations, tu ne disais jamais que, oh, je déclare que Jean Bosco sera fidèle. Je déclare que mon mariage avec Jean Bosco va bien se passer. Je déclare que toute troisième personne entre moi et Jean Bosco soit écartée au nom de Jésus. Tu n'as jamais fait aucune de ces déclarations. Donc te voilà, tu dis que tu vas te marier avec Jean Bosco. Tu crois que ça va se faire seul. Comprenez que l'ennemi va vous attaquer, pas seulement à l'extérieur, il va aussi attaquer de l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, j'ai souvent des esprits qui parlent comme ça, il dit voilà, l'esprit dit qu'il est en toi. Qu'il est, je suis dans elle, c'est moi qui fais qu'elle fasse comme ça. C'est moi qui fais que je la pousse pour qu'elle fasse ça. Vous avez même souvent pas remarqué que souvent vous avez des excès de colère très bizarres. Très, très, très. Donc, quand tu es en colère, tu n'arrives pas à croire que c'est toi. Et quand tu es en colère, tu gardes toutes tes choses. Toi-même, tu gardes tes propres choses. Tu gardes tes propres choses. Tu appelles, tu gardes, tu saccages. Tu dis, je ne veux même plus. Je ne veux plus. On gâte. Oui, on gâte le mariage. On ne veut plus. Tu appelles ta belle famille, tu les insultes. Tu les insultes. Tu gâtes. Oui, on gâte tout. 2 jours plus tard, tu reviens à tes sentiments. Qu'est-ce qui s'est passé? Vos esprits ancestraux là sont venus en toi te toucher, non? Tu as gâté toi-même, non? Parfois, ils font le affaire là. Ils font le genre qu'ils te gâtent incognito. On fait que c'est toi-même qui te lève pour aller gâter la chose. Oui. Alors qu'il y a des gens que... Tu es conscient qu'il y a des situations où les négociateurs sont peut-être venus arranger. Ils sont venus donc seulement parce que l'homme appelle ton père, il appelle le père de l'autre, il appelle ton gars, il t'appelle toi-même, il vous met tous dans une salle. Il parle, ses paroles sont adoucissantes. C'est comme s'il a bu la soupline, il a bu l'adoucissant le jour là. Il parle, conseil, il parle. Après, tu vois comme le petit problème là, chérie, viens, rentre-nous chez nous. Viens, rentre-nous chez nous. Tu vois que quelqu'un est venu avec une notion de réconciliation. Il a arrangé autre chose. Par contre, toi, tu étais là. Et pour plus, je ne sais pas comment on peut dire. Récemment, j'ai une personne, un membre de ma famille qui se mariait. Qui se mariait. Et l'organisation autour de son mariage avait trop de problèmes. J'appelle son père, je demande que...
Est-ce que tu allais travailler sur ta fille? Ça fait 2 mois qu'elle a annoncé qu'elle veut se marier. Tu n'as pas remarqué qu'il y a trop de problèmes? Oh, la belle famille s'est gâtée avec ma famille. Oh, problème, problème, problème. Il dit, tu sais quoi? Et je me dis ceci pour vous dire ceci. Beaucoup de vos membres de famille, vos parents, ils n'ont pas travaillé sur vous. Tu es seulement là, comme ça, là. Tu es ouvert seulement. N'importe qui vient, il te prend. Comme ça, là. Quelqu'un passe, il porte sa part sur toi, il part. Quelqu'un vient, prendre ta chance, il part. Tu vois le fils de quelqu'un, tu investis sur lui pendant 4 ans. Tout ton argent part que sur lui. Tu paies sa scolarité. Tu t'occupes de lui. Tu le loges même. Il dit, non, bébé, quand je vais travailler, on va se marier. Dès qu'il trouve le travail, il t'oublie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas de famille dormait. Maintenant, écoute, toujours que même si ta famille dormait, quand tu commences ta part maintenant, là, tu te réveilles. Tu te réveilles. J'ai des personnes qui me disent que oh, ma mère n'a jamais su travailler, elle n'a jamais rien fait sur nous. Ma mère n'a jamais rien fait sur nous. Mais depuis que je te suis là, moi-même, je fais ma part des choses. Quand elle parle comme ça, là, vous reconnaissez vos mariages que vous avez perdus, vous connaissez. Vous connaissez que vos choses se sont gâtées parce qu'il n'y avait personne pour vous défendre. Que ce soit dans le physique, que ce soit dans le spirituel. Tu te maries avec un homme, il a peut-être 29 ans, toi tu as 24 ans. Et quand ça, après quelques temps, il sort, il part. Il quitte la maison, il te laisse là-bas comme ça. Là. Si tu avais une mère qui est encore vivante, elle vient et dit, ma fille, c'est quoi? Je dis, maman, il est parti. Elle le cherche, elle l'appelle. Elle part, elle le trouve. Elle tire sa main, elle dit que viens ici. Ne tente pas de laisser ma fille. Mais toi, tu es là aussi jeune fille comme ça. Tu ne connais encore rien. Et elle fait comme ça. Là, si on veut s'apprendre, on veut s'en prendre à toi. Elle les tape bien. C'est tous ces gens-là. Qui que ce soit, elle les tape d'abord bien même. Elle les touche bien même. Il y en a parmi vous, vous savez que c'est quand ta main monte que ta vie est tombée. Quand ta main monte là, t'as pas été fini comme ça là. Problème sur problème. Problème sur problème. On vient te promettre le mariage, on part. On te promet le mariage, on part. C'est comme si tu es devenu la cour du roi Péto. On entre seulement ça. Oh non, en 6 mois, tu as 5 personnes qui t'ont fiancé. En 6 mois. Ils t'ont fiancé, ils sont tous partis. À un moment, tu vas te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, tu te lèves maintenant. Tu dis que si c'est le sel là, je vais me laver avec. Et quand vous... Il y en a parmi vous, écoutez, vous avez les dons. Les dons prémonitoires. Tu pries vraiment, tu fais vraiment ta prière là. Merci pour les likes. Merci pour les likes. Merci à ceux qui ont liké ma vidéo et ceux qui ont partagé. Merci pour les partages. Tu vas te lever toi-même sur ta vie. Tu dis que assez, c'est assez. Et il y en a, vous savez que si tu prends 3 jours de jeûne, tu pries, l'esprit va te montrer en rêve. Tu vas voir, il y en a qui m'ont dit que j'ai vu comment mon mari me trompait. Quand il rentre, je lui dis, il ne nie pas. Il dit que tu es une sorcière. Je ne sais pas comment tu as fait. Tu es une sorcière. Ton don n'a pas été volé. Ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent te bloquer ou t'étourdir. Ou encore, ils t'affaiblissent de telle façon que tu n'as même pas la force. On te donne le remède, on dit que lave-toi avec chaque matin, tu ne te laves pas. Donc, même paresse spirituelle en toi là qui fait que tu connais ce qu'il faut faire, mais tu ne fais pas. Et quand tu ne fais pas, c'est comme ça que ça t'affaiblit. Parce que même les plus grands sorciers, il y a les choses spirituelles, les rituels qu'ils doivent faire. Tous les matins, il y a des trucs qu'ils doivent faire. Allez voir dans le livre d'Exode. La Bible dit que Pharaon se levait, il avait coutume de partir au bord de l'eau chaque matin. Il y en a parmi vous, vous êtes des gens de l'eau. Vous savez qu'on ne peut pas rester tel nombre de temps sans aller à l'eau faire les choses. Vous savez qu'on ne peut pas rester tel nombre de temps sans peut-être partir faire des offrandes à tel endroit. Vous le savez.
Maintenant, quand ils viennent pour vous attaquer, ils vont faire que les choses qui sont censées vous donner du pouvoir, que vous ne les fassiez pas. Ce qui est censé restaurer votre puissance, que vous ne les fassiez pas. Donc, tu as l'impression qu'on est venu tout voler ta force. On ne t'a pas volé, en fait, on t'a affaibli. Maintenant, si tu te remets à faire ces choses, comment dire peut-être la prière? Vous savez que c'est bien de prier, non? Combien prie alors? Vous savez que c'est bien de payer la dîme, non? Combien d'entre vous payez la dîme? Vous savez, non, mais vous ne faites pas, non. C'est le jour où tu veux payer ta dîme que tous tes comptes seront bloqués. Tu fais l'envoi RIA, ça disparaît en l'air. Tu fais le Western Union, le système bug. Ma chérie, la dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. L'argent que tu donnes à ta mère, c'est différent de ta dîme. La dîme se ramène à la maison spirituelle là où tu es nourri. Et la bénédiction de la mère n'est pas à négliger. Même pas. Parce que la parole que ta mère sort sur toi pour te bénir, là, c'est... Moi, quand mon père m'a béni, ça a ouvert mes choses. Tu achètes un petit truc comme ça, là, tu peux payer une bonne nourriture. Si ton père encore vivant, tu peux pas ça pas, tu envoies. Ta mère encore vivante, tu peux pas ça pas, tu envoies. Ou bien tu pars avec toi-même. Tu dis, maman, bénis-moi. Elle va sortir ça en bas de son ventre, comme ça, elle va te donner. Si vous croyez que c'est pour rien que Isaac, on est venu discuter la bénédiction d'Isaac. Parce qu'on savait, et c'est la nourriture qui a fait qu'Isaac bénisse son fils. On veut bien une bonne nourriture, on vient avec. Écoutez, hein, y a des choses dans la Bible qu'on ne vous a pas montrées. Isaac savait que c'était pas la veille de sa mort, il n'allait pas mourir. Parce qu'Isaac a encore vécu plusieurs années. La preuve, c'est seulement Esaïe qui a vu Isaac mourir. Ça veut dire que quand Jacob a fait ça, il est parti. Il y a encore eu des années. Bonsoir à la vitrine du glam. Isaac dit à son fils, pas préparé mon bon rôti là. Prépare-moi le bab de moi. Oh, c'est le bab de m'non. Prépare le bab de m'non, tu peux lui donner. Si elle refuse de te bénir, ne te dérange pas. La vitrine, tu es dans mon immeuble. Elle dit qu'elle est à l'immeuble voisin. Donc tu as l'immeuble voisin, ok. Après, je suis au troisième étage de l'immeuble d'à côté. Je ne sais pas quel immeuble tu parles. Tu as Louis ou bien? Donc, il dit que prépare la nourriture, tu viens me donner. Parce qu'il comprenait que tu ne peux pas avoir ta bénédiction en venant brabalant. Tu dis, ah, j'ai passé, maman, j'ai passé. Bénis-moi. Non. Il a préparé le bon bab de moi. Tu ris mon bab de moi. Oh, bab de moi. Bab de moi pour moi. Ah, tu as Louis, d'accord. Donc, je vais vous redonner les numéros. Hein. Le numéro du Cameroun, c'est le 680-71-0701. Orange, c'est le 693-50-22-66. Le numéro du Gabon, c'est le 0741-80-080. 0741-80-080. Et parfois, vous avez des blocages parce que vous avez coché toutes les cases. Tu payes ta dîme, tu honores le pasteur, tu fais à l'église, tu pars là-bas nettoyer l'église 4 de temps par jour, tu évangélises. Mais tu n'honores pas tes parents. Isaac dit que va me préparer le bon babdom là, tu viens avec. Quand il a senti l'odeur du babdom comme ça là, il a mangé la cuisse là. Il dit, mon fils, viens maintenant. Il dit que sors, tiens, tiens, tiens. Il met sa main sur lui, il dit, je te donne la bénédiction. Testez ça, vous allez voir. Testez. Préparez le bon babdom ou le gounongonom. Ou le gounongonom, non. Kenengonom. Tu peux pas le jala. Tu fais le bon gounom. Voilà. Le babdom en passant, le babdom, c'est le rat. Soit tu fais le rat, soit tu fais le porc. Du vrai porc. Ou tu fais le poulet. Si ta tante, ta maman est décédée, tu peux préparer la nourriture préférée de ta mère. Tu pars, tu verses ça sur sa tombe.
Et tu donnes aussi aux gens qui sont dans le village, là où on l'a enterré, là. Si tu es peut-être en France, pendant qu'on fait ça dans ton village, là-bas en France, tu prépares, tu donnes aux gens. Bon, comme en France, c'est parfois difficile de trouver les gens à qui faire le salaka. Parce que quand tu vas sortir, tu vas leur donner la nourriture à ta voisine, elle va dire, hey, tu vas vouloir donner aux enfants de la voisine, hey. Tu peux juste, je sais pas, faire un don à un orphelinat. Ou bien tu achètes des bonbons, tu partages aux enfants. Tout court. Voilà. Voilà, Sorel dit que ses problèmes ont commencé quand son père est décédé. Monsieur Steven, c'est quoi cette question? Tu es un homme, mais tu n'as pas de parents. Je dis ce que vous faites, que vous ayez pas, que vous soyez homme ou femme, non. Tu vas à tes parents. Bon, je vais vous donner une autre astuce, alors. Vous connaissez le parfum, sinon. Donc ça, j'ai déjà fait. J'ai déjà dilué, j'ai laissé ça, ça fait plusieurs jours. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent déjà cette recette-ci. Donc ça, c'est le Mont Saint-Michel. Merci d'avoir partagé mon live. Monsieur User 1146. Donc si vous avez ce parfum, vous l'utilisez simple. Vous ne devriez pas ajouter les choses spirituelles dedans. Ok? Donc vous prenez ce parfum en fonction de votre besoin. Bon, moi généralement je dis toujours plus j'en mets mieux ça vaut. Voilà, Grace Néline, voilà justement. Tu mets les clous de girofle dedans. Merci Jessica d'avoir partagé à plus de 10 amis. Merci. Barbie, merci. Merci aussi Clémence. Ah, Clémence est venue avec ses cœurs. Comment tu vas Clémence? À part cuisiner, tu peux aussi faire des achats pour tes parents là. Fais les bons achats, tu envoies qu'on fasse des achats. Donc tu mets là-dedans. Tu as deux options. Hein. Soit tu prends 3 feuilles de trucs de laurier, soit tu prends 7, soit tu prends le nombre qui fait ton âge. Tu mets dedans. Ce qui est très important à faire avec ceci, c'est de mettre tes vœux, tes désirs. Donc, vous voyez le parfum ici. Donc, quand tu fais ceci, n'oublie pas de faire en lisant des versets bibliques et de mettre tes désirs. Tes désirs viennent toujours compléter la Bible que tu vas lire. N'oubliez pas que la Bible, ce sont les idées des gens qu'ils ont pensé longtemps après, ils ont écrit. Vous avez suivi, non? Voilà. Donc, vous mettez ça là-dedans et vous pouvez aussi choisir de mettre le même nombre de clous de girofle. C'est noir comme ça parce que j'ai mis beaucoup de clous de girofle en bas. Merci pour les cœurs, merci. Donc, vous mettez dedans le clou de girofle. Quand vous allez mettre ça transparent, ça c'est parce que j'ai laissé mijoter comme ça là pendant, ça a moins fait 10 jours. Donc, quand tu mets tout ça dedans, pendant que c'est encore ouvert, tu lis le psaume 35. Tu parles. Donc, Sultan dit que tes ancêtres t'ont monté dans l'oreille que ton gars te trompait. On t'a montré le nouveau avec qui tu feras ta vie et le business. Tu l'as quitté et il te harcèle toujours. Hein? Oh, les exticones. Donc, si tu fais ce parfum, si tu fabriques ça, tu peux aussi donner à tes enfants. Tes enfants peuvent utiliser. Tu prends, tu mets dans la chambre des enfants, tu leur donnes, et tu mets dans les petits trucs comme ça, là, tu leur dis, parfumez-vous avec ça. Et vous savez que les enfants, à chaque fois, les enfants ne vont pas utiliser ça. Ils ne vont pas prier dessus. Donc, si tu fais, tu pries déjà bien dessus, tu donnes à tes enfants. Tu sais que comme ils partent pour utiliser là, ça porte tes pensées. Ça déclare qu'on ne va pas, vous n'allez pas vous tromper. On ne va pas vous confondre pour vous faire du mal. Bonjour et bienvenue. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui ont partagé ma vidéo. Merci aussi pour les cœurs. Voilà. Donc, tu vas lire le psaume, en lisant le psaume 35, c'est le psaume de combat. Tu déclares que tout mauvais esprit, parfois vos enfants, même à l'école, ils ne réfléchissent pas bien. Voilà les examens qu'ils font, ils ont déjà commencé les examens. Que les gens attaquent vos enfants. Il y a parmi les enfants de l'école, il y a des enfants sorciers. Donc, ton enfant part comme si quoi qu'il est en train de s'amuser avec d'autres enfants alors qu'on est en train de l'attaquer. Donc, sur vos enfants, prenez l'habitude de mettre ça ici derrière. Ici derrière. Sur le cou. Là, ce sont les portes d'entrée des mauvais esprits. Le contact de. Je vais donner le contact de Paris. Et je vais aussi donner le contact de la Belgique. Donc, pour ceux qui sont à Paris, 0753
95 56 69. Pour ceux qui sont à Nantes, elle poste aussi partout. Hein. 0620 06 20 00 63 59. Bruxelles 04 66 10 40 87 04 66 10 40 87. Ça c'est la Belgique. L'Allemagne c'est 017 66 41 99 519. L'Allemagne 017 66 41 99 519. La Côte d'Ivoire, Abidjan, Mans, toutes ces pays, toutes ces villes là, elle poste plus 225 08 75 non 08 pardon 27 53 94. Donc Abidjan 08 27 53 94. Bon, pour le Sénégal, on peut vous poster au Sénégal, tu as compris? Non. Cameroun, le Cameroun 680 71 07 01, 680 71 07 01. Gabon 0741 80 080 0741 80 080, sur WhatsApp aussi. Donc quand tu mets ça sur pour ton enfant, Dubaï, on envoie à Dubaï, mais tu dois payer les frais d'envoi. Si tu es à Dubaï même, hein, pas aux Émirats, aux alentours, tu es à Dubaï même. Ok, parce qu'on envoie là-bas. Et si tu es dans les alentours, ils vont te poster. Tu vas t'arranger avec eux. Je ne prends pas ça sur moi. Donc tu peux aussi mettre ça dans l'eau de bain de l'enfant. Tu mets quelques gouttes dans l'eau pour que l'enfant se lave avec. Au Togo, on poste aussi. À partir du Cameroun, on poste. Donc, tu ouvres, tu peux préparer une grande quantité. Tu peux mélanger même trois, hein, parce que je crois qu'il y a des grandes portions. Souvent, j'achète ça de Paris. Ma part vient de Paris. Donc, j'achète souvent les grandes là. Tu pars, tu prends les grands là. Tu mets même trois ensemble. Tu mets dans une grande bouteille Tanguy. Tu laisses. Ça, si c'est ce que moi j'ai fait que tu vas acheter, je vais te vendre différemment. Ça, je peux te vendre ça même à 20 000 francs. Oui. Tout ce parfum, c'est là. Donc, j'ai les petites portions comme ça, 15 000. Ceci a plus de produits. Voilà, ça c'est 15 000. Ça c'est 10 000 francs. Ça c'est contre la sorcellerie. Ça c'est donne-moi tout. Ça donne le commandement. C'est aussi contre la sorcellerie. Ça a plusieurs utilisations. Voilà. Prenez l'habitude que quand vous avez des enfants à la maison, l'enfant doit avoir sa petite portion. Tu lui dis que c'est son eau de Cologne ou tout ça. L'enfant prend une main sur lui. Comme tu as déjà prié sur ça, que tout mauvais esprit, toute manipulation, et donner l'habitude à l'enfant que, à pas mettre sur lui, sur ses aisselles et tout ça, il met aussi sur son cou ici derrière. Ça, c'est pour les gens qui contrôlent vos enfants pour l'école là. Et aussi ici, sur le front. Sur le front. Voilà. Donc, pour combattre ces mauvaises pensées, premièrement, vous devez vous discipliner dans la prière. C'est-à-dire, tu dois avoir des idées. Tu ne dois pas manquer un jour où tu te lèves, tu lis, tu répètes à toi-même. Prier, c'est se répéter des paroles positives. C'est parler à Dieu qui est à l'intérieur de soi. Et de dire, voilà ce que je veux. Et je crois que ce que je demande, j'ai eu. Et ceux qui me suivent depuis un bout, vous savez que moi, je vous enseigne que tout ce que vous faites, vous devez mettre la prière sur ça. Si je prends mon bain, je mets le sel dans l'eau, je mets la prière sur ça. Je paye ma dîme, je mets la prière sur ça. Je fais un don à ma tante ou ma cousine qui demande l'argent. En envoyant son argent par Orange Money. Seigneur, comme je libère l'argent pour donner à cette femme-ci, je déclare que cet argent me revient 10 fois plus. Je déclare qu'on ne va pas utiliser l'argent-ci pour me faire du mal. Je déclare qu'aucune âme forgée contre moi ne peut prospérer. J'ouvre encore plus mes excuses des cieux sur moi. Je relâche ma prospérité. Voilà. Donc, premièrement, tu dois constamment prier. Et la prière, si tu l'associes avec des gestes quotidiens, supposons tu te dis, quand je brosse mes dents, je prie. Quand je prends mon bain, je prie. Ok? Peut-être chaque fois que je vais faire pipi, je prie. Tu vas voir que tu vas commencer à t'habituer. Ce sera comme si tu te répétais ces paroles positives toute la journée. Ce sera comme, on appelle en anglais ça mantra. Mantra, c'est comme des slogans que tu retiens. Donc, merci pour les cœurs que vous me donnez. Merci, merci pour le partage. Je suis déjà à 16 partages sur TikTok. Donc, tu dois te reprogrammer. Parce que les mauvaises pensées qui sont en toi là, c'est ton environnement qui te l'a donné. C'est les gens avec qui tu as grandi qui t'ont donné ça. C'est que tu as regardé comme mauvaise nouvelle qui te l'a donné. Donc, si tu veux te déprogrammer, il va falloir que tu fasses l'inverse.
Si on m'a programmé avec les paroles, je me déprogramme avec les paroles. Et avec des actes concrets. Donc, associez vos prières avec les gestes quotidiens que vous faites chaque jour. Merci Raymond, moi aussi je t'aime. Adassa, bonsoir. Merci pour les cœurs, Jessica. Bonsoir Zébazé, bonsoir Rose. Oui, la cendre aussi, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Je vous ai donné des astuces avec la cendre. Donc, tu prends la cendre, tu mets du sel, on va dire 3 pincées de sel dans une boîte. Tu prends peut-être une cuillère à café de cendre, tu mets. Tu prends aussi, supposons, un capuchon comme ça, là, de gel douche. Tu mets ensemble. Tu tournes en lisant le psaume 35. Soyez très vigilant quand vous préparez vos propres potions. Ah, Adassa, tu dis que tu vas acheter ton kit demain. Hein? En tournant, tu tournes dans un sens. Tu vois, quand tu tournes ton parfum que tu es en train de fabriquer, tu tournes dans un sens. Ne fais pas le genre que tu fais comme ça. Tu tournes dans un seul sens. Et en lisant les paroles dessus, parce que tu es en train de charger, tu es en train de mettre de la puissance dans ce que tu es en train de faire. Ne simplifiez pas votre puissance. Ne vous simplifiez pas. Il y a les outils simples qu'ils nous ont donnés. Que le Créateur nous a donnés. Mala, bonsoir. Jessica. À Douala, on est à Makepe, derrière Paja Center. Il y a une menuiserie. On est en face de la menuiserie. Il y a ma photo sur le portail, en grand. Et ceux qui sont au Gabon, à Libreville, on est à Louis, après l'hôtel Hibiscus. Dès que vous avancez sur 300 mètres à droite de l'hôtel, vous avez, dès que le goudron finit, c'est là-bas qu'on est. Je ne suis plus à Bepanda, Anneli. On a déménagé de Bepanda, ça fait 6 mois. On est à Makepe maintenant. Donc, tu tournes ça, tu tournes en lisant le psaume. Et tu, après avoir lu le psaume, tu déclares que je me désenvoûte par ce lavage. J'enlève toute malédiction générationnelle. Je déclare que toute mauvaise chose qu'il y avait dans ma fondation, venant de mon père ou de ma mère, pendant que je vais me nettoyer avec cette pour ce que je prépare ici, j'enlève au nom de Jésus. Tu tournes. J'ai dit que tu mélanges la cendre, tu mélanges le sel et tu mélanges le gel douche. Tu parles sur ça. Ok? Tu filmes maintenant, tu prends le gel là. Pour ceux qui ont le cœur, tu peux augmenter sur ce gel là. Tu augmentes un peu de ton premier pipi du matin. Donc tu prends le gel là. Tu frottes sur tout ton corps. Avec la cendre là, tu frottes. Tu frottes. Tu frottes. En frottant comme ça, tu parles. Tu parles. Si c'est un mauvais esprit que j'ai pris dans une relation avec un homme, oh, je me désenvoûte. Si c'est un truc qui vient de ma mère, oh, je me désenvoûte. Si un pacte, une alliance que ma mère fait avec n'importe qui, oh, les deux diables, je me désenvoûte. Je me sépare. Je me libère. Tu frottes sur tout ton corps. Tout ton corps. J'enlève tout voile qu'on a mis sur mon corps, sur mon visage. J'enlève toute malédiction, tout mauvais sort. Tu fais ça, tu relis même encore le psaume là, le psaume 35, tu lis encore. Après tu prends le psaume 37, tu lis. Tu parles. Comme tu étais là, comme ça tu parles, tu as parlé. Donc tu prends l'huile rouge. Tu oins sur tes pieds. Tu déclares que comme je suis en train de nettoyer mes pieds s'il y avait l'huile rouge, je déclare que toute malédiction, tout mauvais sort qui est dans ma racine, je me débarrasse de ça au nom de Jésus. Tu nettoies tes pieds, tu nettoies. Tu mets l'huile comme ça. Après maintenant, tu demandes ce qu'il y a dans ton cœur. Toi-même, tes propres désirs. Je peux faire avec le gel qu'il y a dans le kit commerce. Oui, c'est même encore mieux. Voilà ça, non, le kit commerce. Ça, c'est pour les gens qui font un commerce en ligne ou bien marketing de réseau. Là-dedans, je vous ai dit qu'il y a le bâton de commandement. À
Parfois, quand tu as fait ton lavage comme ça, tu prends ton bâton de commandement, tu parles, tu parles. Si tu as une partie de ton corps qui fait mal, peut-être c'est la tête, tu prends, tu parles, tu mets ton bâton de commandement. Tu dis, je commande à tout mauvais esprit de sortir. Voilà. Donc, le kit commerce, c'est 65 000 au Cameroun. Au Gabon, c'est 75 000. Quand tu finis de parler comme ça, et tu as dit ce qui est dans ton cœur, tu prends maintenant de l'eau où tu as mis du sel. Tu te laves. En te lavant, tu dis que comme j'enlève la cendre sur mon sang, j'enlève toute malchance. Et tu joins à ça le jeûne. Comme l'eau s'y quitte sur moi, comme ça, comme la saleté s'y quitte. J'enlève toute mauvaise identité dans le spirituel. Tout ce que l'ennemi a mis sur moi, le mauvais dans le spirituel, j'enlève au nom de Jésus. Vous pouvez vous débloquer vous-même. Vous pouvez éclaircir votre aura vous-même. Vous pouvez vous libérer vous-même. Le kit fondation coûte 55 000 au Cameroun. Au Gabon, c'est 70 000. Tu peux rester comme ça toi-même. Tu fais tes propres choses. Tu vois comment ça avance. Tu ne blagues pas. Tu fais comme ça, là, tu jeûnes 3 jours. La nuit, là, tu vas faire les rêves qu'elle. Tu vas vraiment te montrer les choses. Tu vas voir. Tu poses ta question, je suis en train de parler d'autre chose. Tu veux qu'elle laisse qu'elle parle pour aller répondre à ta question. J'ai 50 questions pendant que je suis en train d'expliquer quelque chose. Toi-même, tu veux que je fasse comment? Si tu ne peux pas jeûner, ce n'est pas grave. Ceux qui prennent les médicaments, ceux qui sont enceintes, ne jeûnez pas. Ceux qui allaitent, le diabète, ne jeûnez pas. Voilà, donc abonnez-vous ceux qui viennent d'arriver. Partagez la vidéo. Merci. Je vous ai parlé de beaucoup de protection dans la... Pour les protections, je crois que je ferai carrément un direct pour les protections. Il y a les poudres de blindage. Quand on demande de jeûner, si tu ne peux pas jeûner, tu fais comme si tu jeûnais. Tu fais tout le rituel comme si tu jeûnais. Écoutez, le problème aussi, c'est que parfois vous voulez tout, mais vous ne voulez pas dépenser. Et c'est ce qui fait que vos persécuteurs soient toujours en train de vous persécuter. Parce que toi, tu vas aller te débloquer avec 2 000. Alors que la personne qui t'a attaché, comme il connaît qu'il utilise ton étoile pour se faire 5 millions ou 10 millions par mois ou 15 millions par mois. Et il y a même des gens qui te bloquent pour rien. Ils ne te bloquent pas pour avoir quelque chose. Ils te bloquent seulement pour savoir qu'il t'a bloqué. Pour rien, gratuitement. Pour rien. Donc, tu as aussi ce genre de personnes-là qui te bloquent pour rien. Donc, quelqu'un dépense 100 000 francs pour te bloquer. Toi, tu veux dépenser 2 000 pour te débloquer et te protéger. Tu vois que ce n'est pas possible. Voilà. Bon, je vais vous donner le numéro une dernière fois avant qu'on se sépare. Tu peux me donner ton téléphone, je vais regarder les numéros, s'il te plaît. Le jeûne, si tu te laves le matin, si tu te laves le matin, tu jeûnes la journée là. Les numéros sont les suivants. Donnez-moi votre pays, je vous donne le numéro. États-Unis. Plus 12 02 98 98 352. Donc plus 12 02 98 98 352. Paris 0753 95 56 69. Paris 0753 95 56 69. Nantes et ses environs 0620 00 63 59. Berlin,
en Allemagne. Plus 49 17 66 41 99 519. Yaoundé 655 310 750. Abidjan 00225 08 27 53 94. 00225 08 27 53 94. Bon, la Suisse, on peut poster, celle de France peut poster en Suisse. Bon, si tu n'as pas assez d'argent, tu attends d'avoir l'argent. Tu te laves au sel. Le lavage au sel, ça t'apporte de l'argent, ça c'est sûr. Ok. Donc, bonjour aux nouveaux abonnés. Donc, demain, je vais vous montrer concrètement, je ferai les lavages, je vais vous montrer comment préparer son lavage. Donc, je vous ai montré aujourd'hui comment utiliser ça. Donc, ceux qui ont les pensées, je précise bien, pour les pensées qui se répètent toujours négatives, mettez dans votre routine des prières, des choses que vous allez toujours vous répéter. Le kit déblocage m'a ouvert les portes de beaucoup de business, mais c'est la jachère qui va me tuer. Tu veux prendre le kit fondation, mais peut-être que tu vas d'abord prendre le kit attraction. Prends le kit attraction, on ne sait jamais. Tu as l'argent maintenant, tu pleures qu'il n'y a pas le gars ou c'est la femme ou tu es un homme ou tu es une femme. Ça va venir, non? Chaque chose a son temps. Le numéro de Nantes, pardon, donne-moi encore le numéro de Nantes. C'est le 0620 00 0620 pour Nantes. 0620 00 63 59. Bruxelles. Même si Bruxelles ne répond pas, vous contactez une de France, elle va vous donner. Elle va poster. Une ne répond pas, vous contactez l'autre. Bon, Bruxelles. Bruxelles, c'était 0032. 466 10 80 10 40 87. Ok. Sans cesse, tu te répètes. Une autre chose que tu dois faire pour maintenir ton cap sur tes pensées, sur tes choses positives, entoure-toi des bonnes personnes. Vous avez beaucoup de mauvaises personnes qui sont autour de vous. Vous passez la journée à côté de leur énergie vient sur vous. Leur énergie vient sur vous. Et même si vous n'avez plus personne autour de vous, on t'a obligé à avoir un faux profil. Hein? Créez vos faux profils, pardon. Merci pour les gémeaux. Merci. Tu t'entoures des bonnes personnes. Écoute aussi beaucoup de vidéos de motivation. Les livres de motivation, les livres spirituels. Lis d'autres choses. Ne te focalise pas seulement sur la Bible. Ça va t'ouvrir l'esprit. Prends un papier, tu écris ce que tu désires. Écris le montant que tu veux. La date à laquelle tu veux le montant. Ce que tu vas compter faire pour avoir ça, cette chose-là. Il y a les questions que tu ne t'es jamais posées. Genre, comment faire pour gagner 50 millions le mois? Parce que tu te dis, ah, on va même faire comment? Ah. Quand tu poses les bonnes questions à ton esprit va t'apporter les réponses. Les bonnes personnes, ça veut dire quoi? Les personnes qui ne te veulent pas du mal, premièrement. Les personnes qui t'encouragent. Les personnes que tu vois, les personnes sont en train d'avancer. Il y a des personnes que vous êtes tout le temps avec, tous les jours, tu les poursuis. Mais toi-même, tu vois comment la vie de la personne n'avance pas. Elle a les problèmes matin, midi, soir, tu es derrière elle. Tu es derrière elle comment? Ta vie va ressembler à sa vie bientôt. Pendant que tu as tes menstrues, tu ne fais pas les rituels. Non. Merci Pierrette Nana.
Donc, tu mets la date à laquelle tu veux vendre tes terrains. Tu mets, mettez les dates de vos choses. Demandez, demandez. La Bible a dit, demandez, vous recevrez. Donc, quand tu fais ton lavage, ce lavage que tu fais avec ton sel que tu as mis là, tu parles. Tu dis ce que tu veux à la date que tu veux. Tu parles. Après, tu te laves. En te lavant, tu te dis. Parce que l'eau, c'est un portail spirituel. Comme ça, vous allez voir, la majorité des rituels, on fait ça quand peut-être on verse de l'eau, ou quand on se lave avec quelque chose, ou bien quand on allume le feu, ou encore quand on brûle quelque chose. Parce que ce sont des ouvertures spirituelles, des portails. Donc, merci beaucoup TikTok pour vos cadeaux. Merci aussi pour les badges que vous avez. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées, tout ça. Ce que tu désires, tu peux dire pendant les menstrues, mais pas se laver avec le sel pendant les menstrues, non. Tu ne peux pas te purifier parce que les menstrues, d'abord, même le fait que tu aies tes menstrues là, c'est sale en fait. Tu es en train d'enlever toutes les impuretés dans ton corps. Oui, beaucoup d'entre vous, quand vous allez faire les bains que je dis, vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de rêves. Bon, là, j'ai rêvé que je marche sur les serpents. Certains vivants, d'autres morts. La Bible dit que vous allez piétiner les serpents, non? You will trample upon serpents. HTGA. C'est hors de mon domaine. Tu as compris? Pour le cordon ombilical. Ça s'est éloigné de mon sujet carrément. Tu n'as pas de chance avec les amis, avec les hommes ou pas. Tu que tu as la chance ou pas, fais tes lavages. Cherche, dis ce que tu veux. Bon, pour débloquer l'intelligence de votre enfant, vous pouvez, ceux qui ont déjà les produits, mélangez peut-être, prenez la cannelle. Faites-lui boire de la cannelle en thé. On a aussi les kits examen. Les kits examen, donc pour les enfants qui sont en train de composer les examens là. Parce qu'il y en a qui vont aller donner, ils vont remettre les feuilles vides à l'examen. Il y en a qui, quand il va arriver devant la feuille comme ça, son esprit va devenir blanc. Il ne va plus rien voir. Oui. Il y a des gens qui ils attaquent vos enfants et vous ne savez pas. Bon, pour la Turquie, il faut que tu trouves quelqu'un qui envoie. Ça peut être à partir du Gabon, ça peut être à partir du Cameroun. Pour la Turquie, et on n'envoie pas la personne. Mais je ne me porte pas garant pour la Turquie. Tu vas venir chercher toi. Tu envoies quelqu'un. On peut aller déposer chez la personne, il part avec. Ou bien il vient chercher au centre. À Makepe. Donc on est basé à Makepe pour ceux qui viennent d'arriver. À Libreville, on est à Louis, à côté de l'hôtel Hibiscus. Les numéros du Gabon, c'est 0741 80 080. Oui, on a le kit attraction. Donc pour l'intelligence de l'enfant, tu lui fais boire de la cannelle. Je vous ai parlé de ça, non? Tu fabriques ce truc-ci là, tu mets ça dans son eau pour qu'il se lave avec. Tu peux aussi écraser le clou de girofle, tu mets dans son huile pour qu'il se soigne avec. Et je vous ai dit qu'on a les kits examen, on a les kits examen avec le sel qu'on a préparé pour ça. On a les trucs pour le thé qu'il va boire et on a aussi l'huile pour se oindre pour le kit examen. Tu ne rends pas ton enfant intelligent, tu restaures l'intelligence de ton enfant. Le kit attraction coûte 30 000. Là-dedans, il y a un savon pour nettoyer le voile sur le visage. Il y a du sel, il y a un parfum. Il y a aussi un autre parfum pour se laver. Il y a aussi l'huile d'attraction. On peut envoyer en Angola, mais vous devez vous envoyer les frais de DHL. Pour l'Angola, ça sera peut-être 25 ou 30 000 en fonction du nombre de kilos. Le numéro du Gabon, c'est le 0741 80 080. À Nantes, il y a les kits d'attraction, oui. États-Unis. Non, moi, je cherche le numéro des États-Unis. États-Unis, c'est le plus 12 02 989 83 52. Donc, plus 12 02 98 98 352. Quand tu rêves que ton grand-père qui était guérisseur travaille sur toi. C'est très important. Ça veut dire que tu as l'assistance de tes ancêtres. Moi, je travaille beaucoup avec l'assistance des ancêtres. Beaucoup. J'ai parfois les gens qui viennent chez moi. Je dis que mon père, j'ai rêvé que mon père. Que mon père m'a envoyé chez une femme pour qu'elle me guérisse.
Et ça, c'est. Donc, quand il les envoie chez moi, soit encore, il y a des personnes qui me disent, peut-être j'ai rêvé que tu étais en train de me laver, ma mère était derrière toi, elle te disait ce que tu dois mettre dans mon eau pour me laver avec, pour que tu me laves avec. Merci, Queen Phoenix, merci. Donc, beaucoup de vos ancêtres, quand tu rêves comme ça, ça veut dire que. Ils sont en train d'intercéder pour toi. Et parfois aussi, beaucoup d'entre vous, vous avez abandonné vos ancêtres. Peut-être que tu es en Europe depuis tellement longtemps. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs sur TikTok. Merci. Merci pour les cœurs sur Facebook. Je vais aussi rappeler que je ne fais que ce qu'on me montre de faire. Donc, je ne détiens pas tout le savoir. C'est ce qu'on me montre de faire que je fais. Quand il ne fait pas quelque chose, il vous dit que je ne fais pas. Que l'autre là, ce n'est pas ma part. Ici, dans la bouteille, c'est le parfum. Vous pouvez trouver ça dans les trucs comme Carrefour, en France, là-bas. C'est de l'eau de Cologne. Là-dedans, on a mis le laurier et le clou de girofle. Et puis, on a laissé reposer pendant 2 semaines. Je dois brancher le chargeur. Malédiction de parents, tu vas prendre le kit fondation. Tu as suivi, non? I'm unstoppable. I'm a wonder. I'm invincible. Mont Saint-Michel. Quand tu fais, tu dois parler. Tu bénis, hein? Tu parles dessus. Tu lis le psaume 35 et le psaume 37. Chaque jour, tu peux venir ouvrir, tu bénis ça, tu parles dessus. À la fin, tu as un bon produit qui est tout prêt. Pardon. Non, là c'est Facebook. Bon, on a terminé. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se voit demain.